national. C'est de ça qu'il s'agit, oh. Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, yeah. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là il sort tout. Ah mais maintenant on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là vont l'habiter jour et nuit. Mais comment ne l'habite que l'âme qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête et de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière. Attachez la famille, mettez le cœur. Ils vont s'y aller, les filets, donc mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Les égarés sur ton chemin, les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa main sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à bout. À Boutou national, désormais à 10 des chanteurs. Voilà pourquoi papa je t'a entré. C'est Dieu qui bénit, qui l'a vu de bénir. À terre, à oh, oh, la vie là-haut. Ma nation, attendez d'abord, je vais partager le direct sur AP le guide. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais partager le direct sur AP le guide. Et nous allons commencer le direct comme il se doit. J'aimerais d'abord ici ce soir dire à ma nation. Dis à ceux qui aiment le Apoutou national. D'abord ici, ma page elle est rouge. Je vais vous montrer la preuve. Vous voyez, c'est écrit Apoutou national. Je vais vous montrer ici que les gens ils signalent véritablement la page. Voilà. Mais comme je suis le guide et qu'après moi c'est le village, il n'y a plus quelqu'un. Vous voyez ma page, elle est en rouge. Mais à en montrer que là, ils ne sont rien. La famille, je demande ici à tous ceux qui aiment le Apoutou national. Moi, je n'ai pas de groupe WhatsApp. Moi, je n'ai pas fait de groupe pour dire non, mettons-nous ensemble pour aller signaler la page de quelqu'un. Je n'ai pas le temps de ça. Mais ça s'appelle la sorcellerie. Et moi, je ne rentre pas dans la sorcellerie. Parce que pour moi, j'ai des limites. J'en ai toujours dit, je n'ai pas besoin des petits à lever là. C'est-à-dire que ceux qui font vidéo à côté là, ça ne m'intéresse pas. Je suis un statut de. Je n'ai pas besoin de m'adresser à ces petits-là. Ces petites filles, ces petits hommes, c'est ceux-là. Non. C'est à la tête que moi j'ai mangé. En plus, celui qui tue le chat là, c'est celui qui mange la tête, non. Moi, c'est le chat là, moi j'ai mangé. La tête du chat là, c'est ça, moi j'ai mangé. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais d'abord dire ici à toutes ces personnes qui sont déjà connectées, à toutes ces mamans, à tous ces papas, à toutes ces personnes qui aiment le Apoutou national. Qui même sans toutefois même vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous demandez pourquoi est-ce que j'aime ce jeune garçon là, mais vous m'aimez sans condition. Ceux qui ont créé un groupe pour dire mettez tête de moi là, venez vous asseoir. Commencez déjà à pomper, signalez déjà. Commencez déjà à signaler. Ben ce soir là, ça sera dosé. Ce soir là seulement là, ça sera dosé. Je vais lui faire l'amour sans lubrifiant, sans rien. Bébé égaré. L'homme de Dieu le plus maudit de la terre. Celui-là même que Jésus a régné. La malédiction de l'église de Côte d'Ivoire. L'homme le plus égaré de l'univers. D'abord, j'aimerais te dire, moi, je ne suis pas dans le fait d'insulter maman, machin, machin. Là. J'aimerais d'abord te dire, moi, Dia, de la personne qui te donne billet d'avion pour venir vendre tes subventions de merde en France ici, là. Moi, Dia, de la personne qui met ton pot dans ton passeport, là, sont moi, Dia, chaque matin, midi, soir. Ça, d'abord, c'est un entrée de jeu. Il y a te moukou ce soir, sans lubrifiant. L'homme le plus égaré. Il faut appeler tout ton armée, là. Ils n'ont qu'à dire, venir signaler la page, là. Mais je reste le guide et je demeure le guide. Tu ne pourras rien faire. Donc, apprêtez-vous ce soir, là. Ben, ça sera dosé. On va continuer dans le direct. Je vais partager d'abord sur ma page. Voilà. Toutes mes pages sont rouges. Mais je vais partager quand même. Partout, je vais partager. Voilà. Donc, la famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct dans tous les groupes que vous connaissez. Quand vous avez déjà commencé à faire complot de signaler ma page, moi-même, je vais vous donner l'occasion de la signaler bien. Mais là, la famille n'est pas bien signalée. Je vais vous donner l'occasion de bien la signaler afin qu'elle puisse disparaître. Et puis, je vais créer encore une autre page encore. Pour vous montrer que vous et moi, on n'est pas pareil. Moi, je n'ai pas bien de fanfare. Hein. Tu vas lire l'heure ce soir. Je dis, moi, Dia, de la personne de ton visa là. Tu es l'homme le plus maudit de l'église de Côte d'Ivoire. Tu es une malédiction pour Dieu. Tu ne sais pas ça. Regarde-toi bien déjà ta morphologie. C'est parce que l'argent t'a surpris que tu es là en train de parler toujours de l'argent. Parce que toi, sans ton argent, tu n'es rien.
tu ne pourras jamais avoir. Malgré qu'elle te dit que tu as la même là, tu n'as même pas que ce qu'elle appelle la carrue. Ce qu'elle appelle, comment elle appelle ça même là? Comment je peux dire ça même? C'est que le genre, tu n'as pas ce genre là. Tu es vide à l'intérieur. Donc tu passes ton temps à maudire les enfants des autres parce que toi-même tu es un maudit. Tu étais maudit par ta famille. Mais tu vas lire ce soir. Je l'ai dit à tous tes gars, donc prends leur portable pour venir faire direct. Pour venir signaler. Ce n'est rien même. Moi-même, il y a un gâté page là-même pour vous donner. Fais-nous la carte de ça. Tu vas lire le. Attends d'abord, il y a pas ça. C'est moi qui ai Jésus maudit. Et puis moi, je vais te regarder. Tu ne tout connais pas encore. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas encore. Attendez, il y a partagé. Avec partagez le direct, s'il vous plaît, les moments. Partagez. En a 2000 qui partagent. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Partagez le direct. Je ne sais pas même si mon admin va mettre là, mais attends même. J'ai appelé mon petit là. Je lui ai dit de se mettre sur la page déjà. S'il peut déjà signaler tout commentaire bizarre. Kiki. Si tous ceux qui mettent un commentaire bizarre mettent tête de mort sur son commentaire, on le bloque direct. Attends, j'ai appelé mon fils là. S'il est en direct. Après, vous mettez, j'ai ajouté un admin aujourd'hui. Allô, mon fils. Je suis en direct là, pardon. Tous ceux qui mettent un commentaire bizarre, il faut les bloquer, pardon. Bloque tout le monde. Je suis sur Apoutou National. Celui qui met un commentaire bizarre, tu le bloques. Celui qui met tête de mort, tu le bloques. Voilà. C'est ce que tu as fait maintenant. Ok. Bloque tout le monde. Tous ceux qui met un commentaire bizarre, tu les bloques. Dans la paix du Seigneur. C'est la délivrance de la brebis égarée ce soir. Appelez Johnny Pacheco. Appelez Bob Lee, tout le monde. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils vont regarder le spectacle. Ça sera dosé. Ok. Bloque tout le monde, mon fils. T'as compris? Ok. Ok, d'accord. Bloque tout le monde. Vas-y. Tu vas lire ce soir. Attends, il y a pas ça sur ma page là-bas. Tu penses que tu es maudit, non? Tu penses que les gens ont peur de toi dans ce pays-là? Ceux qui te donnent courage dans ce pays-là, ils vont venir. Tu penses que les gens ont peur de toi dans ce pays-là? Homme de peu de foi, malédiction de l'église de Côte d'Ivoire. Tu penses que tu es maudit? Il y a moins un maîtrisant comme cela. Un homme qui n'a peur même pas de Dieu. Tu n'as pas peur des humains, tu n'as pas peur de Dieu. Tu penses que toi, tu es frère qui est ici? Tu vas lire l'heure. Attends. Dis à tes brebis, elle carré, elle est venue signaler la page. Attendez, d'abord, il n'y a pas des assises à Poutou National. Attendez. S'il vous plaît, ma nation. Excusez-moi, ma nation, pardonnez. Il n'y a pas des assises à Poutou National pour dire à mes abonnés de là-bas, c'est dosé ici, nous avons venu. Voilà. Pas des assises à appeler les guides. Sortez, ma nation. C'est dosé. Voilà. C'est dosé ce soir. Merci beaucoup. On écoute la chanson des brebis égarées. Et puis, on continue dans le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, les mamans. Vous-même, vous avez déjà. Campagne de signaler ma paix a déjà commencé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Apoutou National, c'est des ça qui s'agit, partagez, mettez les cœurs. Yeah. Délicieux. Au début, quand j'ai commencé, les gens s'étiraient. Mettez les têtes de mort, mettez les soins à la famille. En même temps, on a dit que c'est l'enfant de bleu, Brigitte. Les gens l'ont lapidé jour et nuit. Mais comment ne lapide que l'âme qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis sacré de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là que tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à bout. Apoutou National, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi papa, je le dis. C'est Dieu qui bénit, il a envie de bénir. A terre, oh, oh. La vie là-haut, la vie là-haut. 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 La vie là, c'est devant. La vie là, c'est devant. La vie là-haut. La vie là-haut. La puissance. La vie là-haut. Sur le chemin de la réussite, tu l'auras laissé plier sur ta route. Mais ne baissez jamais les bras, mon ami. Partagez les moments, partagez. Il faut s'amener du courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je voulais dire la vie là-haut, la vie là-haut. La vie c'est devant. La vie là-haut, la vie là-haut. La villa s'est débattée. Ah, à Burkina. Partout d'en haut. La villa, oh, s'est débattée. Yeah. Kadou Colombo. Président, oh, Jean Pipi. Sénateur Jijika. Gouverneur, oh, Benzema. Ah. Attendez. Est-ce qu'on a
matin les semi-partages. Ma nation, est-ce que vous êtes là? Andia vient signaler pas d'Apoutou National. Andia signale ma page. Andia se met en groupe pour venir mettre les têtes de mort. Est-ce qu'il y en a tant? Il reste encore 1000 partages, la famille. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les mamans. Je n'ai que vous. Ma nation, je n'ai que vous, je n'ai personne. Moi, mes directs ne parlent pas si page de quelqu'un. C'est vous qui partagez mes directs. J'ai retrouvé ma maison. J'ai retrouvé mon embutement. J'ai retrouvé mon coin. C'est ici que tout se passe. Je vais voir les 5000 personnes connectées et puis on va commencer à parler. Voilà. Deuxième personne bloquée. Voilà. Bloquez ça. Voilà. Mettez les cœurs, la famille. Mettez les cœurs, les mamans. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. En dit, ils vont venir signaler. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, la famille. Je vais voir les cœurs. Je vais voir les cœurs. Voilà. Je vais voir les cœurs. Je vais voir les cœurs. Mon fils, faut bloquer tous ceux qui mettent vive le maudit de la Côte d'Ivoire ou vive le général. Vive la brebis, le Judas, l'homme le plus maudit de l'Afrique. Faut le bloquer ici. Voilà. Bloque. Bloquez ici. Ouais. Je ne vais même pas tarder, même. C'est lui qui va commencer le direct. Voilà. Paracétamol. Ce soir ici, là, ce n'est pas une histoire de dire Apoutou National, mon cher. Ce soir là, c'est le paracétamol qui va parler. Ce soir là, je vais prescrire médicaments à ma brebis la plus égarée. Et je vais poser certaines questions qui vont me répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir là seulement là, je vais prescrire paracétamol à la brebis la plus égarée. L'homme le plus maudit de sa famille. L'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire. L'homme le plus malheureux. L'homme le plus misérable. Parce qu'il faut être misérable pour vendre ton âme au diable juste pour avoir l'argent. Voici ce que. C'est pourquoi tu as sauté ça. Comment il s'appelle la mère déjà? Comment il s'appelle la mère déjà même là? Comment il s'appelle la même? Espoir 2000. Il a chanté. Il dit il y a les bonbons et les bonbons pasteurs. C'est ça, le bonbon pasteur là, c'est toi. Mais tu seras ce soir ici là. C'est les que. Eh, abata. La famille, pardonnez, mettez les cœurs. Parce que quand je vais commencer à me présenter, ça sera dosé. Je vais voir les semi-partages d'abord. Est-ce qu'on atteint les semi-partages? Est-ce que mon peuple est là? Est-ce que le peuple de Moïse, la nation d'Apoutou National, j'ai mis ma page en rouge, mais je fais 4000 personnes connectées. C'est ça qu'on appelle un guide. Un guide, c'est ça. Un guide n'est pas un misérable comme ce gars. Tu penses que ta bouche est sale. Tu penses que c'est toi qui peux maudire les gens dans ce pays-là? Tu as maudit, mon gars. Il n'y a pas plus maudit que toi. Parce qu'il faut être maudit pour prendre la Bible. Il faut être malheureux. Il faut te dire que tu es bien. Il faut te dire que tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus de moyens de réussir pour prendre la parole de Dieu pour escroquer les gens. Ceux qui vont dans ta convention là, c'est les plus maudits aussi qui s'en vont là-bas. Parce qu'il faut être maudit pour aller écouter un animal sans que. Parce qu'un être humain ne peut pas prendre la parole de Dieu pour s'amuser. C'est impossible. C'est impossible. Mais quand toi tu es misérable, depuis combien de temps mes parents vont parler de Dieu, même sur Internet? Vous qui me suivez, écrivez un commentaire. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu parler d'affaires de Dieu sur Internet? Ça fait combien de temps? Tu ne fais plus de prédications. Là, tu as laissé. Mais là-bas, il n'y a pas de visibilité. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir blâmer les fils et les filles de ce pays. Tu oses allumer ton téléphone pour demander à l'État de Côte d'Ivoire d'enfermer Sédi Kramba. Ben, c'est ton souhait. Ton souhait, c'est d'enfermer tous les enfants. Tous les 10 filles de ce pays-là, c'est toi ton souhait qui est là. Ton souhait là, c'est d'être le seul sur Internet ici, mais tu ne seras jamais le seul, mon gars. Ta misérable vie là, c'est sur toi la maison là-bas. Où tu peux donner des ordres, c'est sur toi la maison là-bas. Mon frère, il dit, ça sera dosé. L'homme le plus maudit de la terre, le Judas de la Côte d'Ivoire, l'homme qui est prêt à vendre sa famille, ses hommes, ses neveux, celui-là même qui abandonne sa propre fille le jour de son anniversaire de ses 18 ans, pour aller chercher un point dans notre pays, tu es un misérable, mon gars. Il faut être misérable pour choisir de laisser le jour d'anniversaire de ta fille, 18 ans, la laisser et puis aller te bavaner, aller chercher point, aller vouloir mentir. Il faut être misérable, mon gars. Nous, on n'est pas misérable comme toi. Nous, on n'a pas encore perdu l'espoir pour aller donner notre vie au diable juste pour avoir l'argent, pour avoir la visibilité. Nous, on n'a pas encore perdu notre espoir, mon gars. Tu penses que tu es maudit? Tu penses que tu es maudit? Mais on te montrer que nous, là, on peut te délivrer de ta malédiction, là. Tes yeux dans le sol, la foi, les mains sur la table. Ben, tu vas te pomader ça ce soir ici. Un peu de foi. C'est toi que la Bible a regardé pour dire le jugement dernier. Il viendra nombreux devant moi pour dire, mais Seigneur, n'avons-tu pas prêché à ton image? N'avons-tu pas parlé de toi? N'avons-tu pas délivré les malades?
N'avons-ils pas fait marcher les paralytiques? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de moi, démon, car je ne vous ai point connu. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent de Dieu qui viennent de Dieu. Mais Dieu dit, avant de donner foi à un esprit, il faut l'étudier. Ne donnez pas foi à tout esprit, c'est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, voici certaines personnes. C'est parce qu'il y a des gens qui ont perdu l'espoir, qui vont aller écouter ta misérable vie en tant que prêcheur du mensonge. Tes récits de films de Jésus, t'as regardé là. Tu ne vas jamais donner quelque chose et donner son passage. Quel homme de Dieu qui n'a pas d'église et tu prétends être pasteur? Tu vas lire-le ce soir. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est dosé même? Écrivez un commentaire pour que tu parles. Écrivez un commentaire pour que tu parles. Écrivez papa dit quelque chose. Écrivez papa dit quelque chose. Ma nation, j'ai dit, écrivez un commentaire. Dites papa dit quelque chose. Écrivez un commentaire. Il m'a traité d'enfant maudit. Quand tu regardes l'homme, ça, il est maudit. Quand tu regardes joli garçon, 1m90, 124 kilos, regarde mon visage. Ce n'est pas un sourire mesquin. Ce n'est pas un sourire forcé. C'est un sourire naturel. Ça se ressent dans mes yeux et même dans mes pores. Regarde le sourire. Quand tu regardes joli garçon, quelqu'un qui est arrivé en France, ça fait 3 ans, le 23 novembre 2018, regarde ma situation de vie. Tu penses que lui, il est maudit? Bloc, visite à verser l'eau par terre. Quand dit mon fils, va. Malgré que j'ai versé l'eau par terre, là, la boue ne pourra jamais t'atteindre. J'ai porté un habit blanc et puis je maille sur la boue. Et puis l'eau là ne peut pas me salir. C'est ça qu'on appelle un enfant béni. Je suis béni par ma mère, par mon père. J'ai été béni dans le sein de ma mère. Donc c'est pas toi, un homme peu de foi, un misérable déguisé en homme de Dieu, maudit de plus maudit. Ben toi là, j'ai dit bien, c'est parce que certains Africains sont dépourvus d'intelligence. Certains Africains à la recherche, vraiment, c'est-à-dire que, qui se disent que leur vie va changer par un miracle, c'est eux qui savent t'écouter. Mais est-ce que, oh, j'ai pas encore commencé, pour tout le monde, j'ai trop pressé. Judas, tu vas où? Viens essayer ta calvitie là. Judas, tu vas où? Assieds-toi là-bas. Judas, assieds-toi là-bas. Assieds-toi, tu es attendu quoi? Tu es attendu quoi? Si tu es malade, ça va pas sur toi, tu es bête. Judas, assieds-toi par terre. Assieds-toi sur les graviers qui sont là. Tu dis quoi? Tu veux faire quoi? J'ai qu'à donner de l'eau, tu vas boire. J'ai qu'à donner de l'eau, tu vas boire. Tu bois pas de l'eau. Tu bois pas de l'eau. Faut t'asseoir par terre là. Ah, tu as faim. Ah, tu ne manges pas bien. Ah, mais une tension là, on ne paye plus. Ah, comment ça? On ne paye plus, ça ne marche plus. Une tension là, ça ne marche plus. Mais comment ça? Mais c'est pas toi, tu dis tu vas vendre des canards. C'est pas toi, tu dis que tu as le parfum d'Esther. C'est que Esther a mis ciel. Avant Jésus, là, toi, tu dis que toi, tu vois ça, non? Ah, tu as l'eau du puits de Jacob, tout ça, là. C'est combien? 150 euros. Ah, bâtard! Ah, bâtard! Tu as l'eau du puits de Jacob. Toi, tu vois l'eau du puits de Jacob, tu as ça. Tu as vu des canards. Vu que Jésus a fabriqué, qu'il est parti dans le mariage, là. Toi, tu as ça. Tu as le bidon, même tout ça, là. Tu vois à combien? 200 euros. Mais quand tu bois là, tu t'en vas où? Ah, tu t'en vas au paradis. Viens là, 200 euros, tu t'en vas au paradis. Mais comment tu as fait pour... Ah, ah, ah. Tu fais quoi? Tu vas enterrer en Israël. Tu vas enterrer en Israël. Ah, t'es... Ah, donc tes parents t'ont laissé plantation là-bas. Tu dis quoi? Ah, tu as une forêt là-bas, donc tu vends les arbres. Et tu vas arbre en Israël. C'est combien? 150 euros. Mais quand tu payes arbre là, tu as quoi? C'est app de vie quoi. Hein, c'est app de vie. 150 euros. C'est quoi? Si moi je donne 150 euros tout de suite là, c'est que si moi je donne 150 euros tout de suite là, j'ai mon app de vie en Israël là-bas. Ah ouais? C'est que, genre, si par exemple, mon jour arrive que je quitte ce monde là, c'est que l'app de vie là va me permettre d'aller au paradis quoi. Toi tu as ça là-bas, tu as terre en Israël. Mais comment tu as fait? Ah vraiment, tes parents en relation, hein? Tu dis quoi encore? Tu dis quoi? Tu as pommade quand tu mets sur toi, on ne te dit pas non. Wallahi bilay. Tu as pommade quand tu mets sur toi, personne ne peut te dire non. C'est que si il y avait un voix Ado tout de suite pour dire Ado, je vais être nommé premier ministre, Ado me nomme premier ministre. Toi, tu as pommade ça là. Hein? Non, toi vraiment, Dieu habite en toi, hein. Dieu habite en toi, hein. Toi, tu as pommade ça là. C'est que pommade là, c'est que quoi? Genre, je mets pommade là sur moi, je m'en vais croiser le président, je dis, ah, monsieur le président, je vais être nommé premier ministre, il me nomme en même temps premier ministre. Ouais. Non. Vraiment, Dieu habite en toi.
Tu as tout ça là, Reni. Mais dis-moi, tu as combien dans ton compte même? Tu fais quoi? Ah, tu fais chiffre d'affaires 900 millions par mois. Un peu par mois. Tu fais chiffre d'affaires 900 millions par an. Mais tu habites dans quoi, Abidjan même? Tu t'en dans quoi? Tu t'en dans le domaine? Tu habites à côté des ados? Et puis de Soro, de Babo, tout ça là où tu as. Ah, tu loues maison. Mais comment ça? Tu fais chiffre d'affaires 900 millions, comment ça tu loues maison? Mais je ne comprends pas. Tu fais chiffre d'affaires 900. Bon, ça fait combien de temps que tu fais chiffre d'affaires là? Ah, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu as chiffre d'affaires 900 millions par mois, par jour 1. 900 millions par an. Tu as 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais comment se fait-il que tu loues maison? Ah, Dieu a dit de ne pas construire. Dieu a dit de prendre l'argent là, de mettre en bas de ton lit et puis de te couvrir avec quoi? Tu dis quoi? Non, je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi? Ah! Non, mais attends, tu ne peux pas me dire ça? Tu ne peux pas me dire ça? Tu as chiffre d'affaires 900 millions par mois, par an. Mais ta voiture là même là, c'est quelle année même? Ah, c'est 2006. Range Rover 2006. Mais 900 millions là, si tu as pris 150 millions dedans, tu as acheté Range Rover Velar 2022. Mais ça ne fait rien. Tu as voiture de 2006. Mais comment tu fais? Ah bon? D'accord, ok. Bon, assieds-toi. Assieds-toi tranquillement. Refais maintenant ta biographie. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. Brebi, faut dire à tout le monde, écrivez déjà dans les inbox là. Dites-le déjà que le direct a déjà commencé. Voilà. Le direct a déjà commencé. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que je vais me présenter et puis on va commencer le direct. J'aimerais d'abord ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées, à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. Ils ont lancé une campagne de venir signaler ma page. La brebis est garée. C'est que les autres là, elles ne m'intéressent pas. Moi, je ne suis pas là pour eux. Eux, c'est les petits. Je les ai trop dépassés. Ce n'est pas le même level. Ce n'est pas la même cote. Ce n'est pas la même notoriété. Ce n'est pas les mêmes choses. Les petits à level là, moi, je ne parle pas d'eux. Moi, c'est la tête que moi, je veux. J'aimerais d'abord ici demander à l'État de Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'un bandit comme lui là a un passeport diplomatique? Quel est le statut de ce dernier en Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais savoir. Parce qu'ils nous disent ici qu'il a statut de diplomate. Moi, j'aimerais savoir, ce bandit, cet animal déguisé, l'homme peu de foi, celui-là même qui a vendu l'église de Côte d'Ivoire, j'aimerais d'abord demander ici à l'État de Côte d'Ivoire, comment se fait-il que ce misérable-là, il ait un passeport diplomatique dans ce pays-là? Il a quel statut? Moi, j'aimerais savoir. Parce que dans un pays de droit, vous ne pouvez pas donner un passeport diplomatique à un misérable pareil, à un homme qui est sans vergogne, qui ne fait qu'insulter l'intimité des femmes sur Internet, qui ne fait qu'insulter maman des gens sur Internet, il ne fait qu'insulter les gens. Il n'y a jamais bonne parole qui ne sort de sa bouche, à part la malédiction. Son Dieu qui l'a envoyé sur la terre, l'a envoyé pour venir maudire les gens. Il n'a jamais eu une parole de bénédiction vis-à-vis de son semblable. Lui, il est né pour maudire et il est venu sur la terre pour souhaiter le malheur des fils et des filles de ce pays-là. J'aimerais se demander à l'État de Côte d'Ivoire, comment se fait-il que ce misérable-là ait un passeport diplomatique? Il a quel statut dans ce pays? Il occupe quel poste dans ce pays? Il est un député? Il est ministre? Il est quoi dans ce pays? Montrez-nous. Nous, on veut savoir. Parce qu'il a démontré ici par A plus B que lui, il a statut de diplomate en Côte d'Ivoire. Il a montré son passeport rouge bordeaux ici. On l'a tous vu. Donc, venez nous expliquer comment se fait-il que lui, il a un passeport diplomatique. Dans quelles conditions il a pu obtenir son passeport diplomatique? Venez nous expliquer. Nous, on aimerait savoir. J'aimerais aussi demander aussi aux hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Père, c'est vous qui permettez tout ça. Tout ce qui se passe là, c'est vous qui permettez ça. Vous, les hommes de Dieu évangéliques de Côte d'Ivoire, les hommes de renom, je ne citerai pas ici de nom ici pour ne pas vexer un papa pour qui j'ai beaucoup de respect. J'aimerais vous demander ici, l'église évangélique de Côte d'Ivoire, tous les hommes de Dieu de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, ce misérable a dit qu'il est le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Sur quel statut? Parce qu'apparemment, personne ne s'est levé une fois pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. Personne ne s'est levé une fois pour dire non, que apparemment, ce qu'il dit là, c'est faux, parce qu'il n'est pas mon président,
Il n'est pas le président des grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce que quand il parle à travers vos noms. Et ce n'est pas lui seulement qui salit, mais il salit toute l'église de Côte d'Ivoire. Parce qu'un misérable pareil, un homme de peur de foi, celui qui est toujours là dans les caleçons des filles, cherchait à détruire la vie des filles et des filles de ce pays, se permet de dire que lui, il est votre président. Mais vous ne dites rien. On dit qu'il ne dit rien qu'on soit. Qu'il ne dit rien qu'on soit. Donc apparemment, vous êtes d'accord avec ça. Apparemment, vous applaudissez et vous l'accompagnez dans cette forfaiture borderie. Ce misérable déguisé là, c'est laquelle, c'est par rapport à quoi? Venez nous expliquer, nous on aimerait savoir. Parce qu'apparemment il parle à votre nom. Il dit qu'il est votre président. Il dit qu'il lui peut vendre 10 000 pasteurs aux hommes politiques. Il dit qu'il lui a 20 000 pasteurs. Il dit qu'il a 3 millions de fidèles derrière lui. Venez nous expliquer, les 10 000 pasteurs là, vous en faites partie mais vous ne faites pas partie. Les grands hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, vous on vous connaît pas dans la bassesse, mais on vous connaît dans la prédication. Voici un homme qui dit qu'il est président des pasteurs de Côte d'Ivoire, mais qui n'a aucune église. Quand tu lui demandes, son église est sur Facebook. Il fait des conventions partout en Europe, mais jamais dans son pays. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cambre là-bas. En Côte d'Ivoire, là, tu as déjà fait une convention en Côte d'Ivoire. Montre-nous ta convention là, nous on veut voir. Montre-nous la convention que toi tu as fait en Côte d'Ivoire, nous on veut voir. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'homme que tu peux sauver. Il n'y a pas d'homme que tu peux sauver. Apparemment, tu pries pour les malades. Jusqu'à les boiteux marchent. Apparemment, tu pries pour les handicapés. Apparemment, tu pries les aveugles. Les aveugles qu'on a vus. Mais, apparemment, même, il y a quelque chose même qui s'est. Tu sais, j'aimerais d'abord te dire ici, homme de peu de foi, l'homme le plus misérable, le Judas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire connaît ta personne. En sait que tu es prêt à livrer n'importe quelle personne pour ton bien personnel. Je le dis. Et tout le monde aujourd'hui le sait. En sait que tu es prêt à livrer n'importe quelle personne pour ton bien personnel. J'aimerais d'abord ici dire à l'État de Côte d'Ivoire, je l'ai dit dans une vidéo passée, la CAN 2023, la CAN 2023 qui arrive là, faites comme le Cameroun, ils ont donné billets d'avion à chaque influenceur, payé leur hôtel, ils leur ont donné un petit cachet pour aller représenter le pays. J'aimerais aussi demander à l'État de Côte d'Ivoire pour la beauté de cette CAN, pour que cette CAN soit médiatique, parce que nous, blogueurs et influenceurs ivoiriens, on est suivis même par les étrangers. On est suivis même aux Antilles, en Guadeloupe, en Sierra Leone, au Tchad, au Vietnam. Nous avons des abonnés partout dans le monde entier. J'aimerais aussi demander à l'État de Côte d'Ivoire de rentrer en contact avec le comité des blogueurs et influenceurs, afin que nous puissions vous accompagner dans cette beauté qui sera la CAN 2023. Mais j'aimerais aussi préciser pour vous dire, ce misérable que vous voyez, cet homme de peu de foi, il ne vient pas à notre nom si jamais il se retrouve dans vos bureaux là-bas. Si jamais il se retrouve dans vos bureaux là-bas, il ne vient pas à notre nom. Parce que nous, on ne le connaît pas dans notre registre. On ne le connaît pas dans notre communauté. Il dit qu'il est brebis égaré de Dieu, qui continue de rester dans sa farfeture égarée là, qui continue de rester là-bas. Qui continue d'appauvrir les hommes qui n'ont aucune condition. Des hommes qui sont là. Toi, tu as toutes tes facultés en place. Et tu regardes un énergumène pareil qui va te vendre une option et puis toi, tu vas payer. Prenez l'exemple sur les femmes de Francis Mvumba, le mari de Coco Emilia. Il sortait avec une fille de ce brebis égaré là. Le brebis égaré lui a promis le mariage. Il a dit que lui, tant qu'il sera pasteur, la fille va marier Mvumba. La fille va marier Mvumba. Elle a payé tous ses jus d'option. Apparemment, tout l'argent de Mvumba là, c'est ce misérable là qui a volé ça. Parce que la fille passait tout son temps à acheter ses jus d'option, à acheter ses parfums, à acheter ses dentifrices. La fille a tout acheté jusqu'à se réveiller un matin. Mvumba l'a laissé à ses trois enfants pour aller marier Coco Emilia. Mvumba l'a laissé à ses trois enfants pour aller marier Coco Emilia. Pourtant, le maudit d'homme de Dieu, l'homme de peu de foi, le misérable le plus déguisé de la Côte d'Ivoire, ce farfelu, cet animal qui n'a peur de rien dans ce monde, qui est prêt à vendre tout pour son bien personnel, lui a promis le mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Vouvouba l'a laissé pour aller marier Coco Emilia. C'est pour vous dire que ces udotions là, ça n'apporte rien. Apparemment, je vends une dotion pour mariage, mais dans ma famille, personne n'est marié.
Personne ne veut marier quelqu'un dans sa famille là-bas. Personne n'a pris une fois même la peine de dire on va aller donner quelqu'un dans sa famille. Mais lui, il a eu l'option du mariage. Mais quand vous regardez ça, il y a toujours des illettrés, il y a toujours des analphabètes qui vont se lever pour aller payer une option ça là. Mais j'aimerais te dire que ta fafelue là, ce que tu fais là, ça ne marche plus en Côte d'Ivoire. Va chercher autre pays. Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens sont déjà déjà. On connaît déjà qui tu es. Et tu ne peux rien créer et tu ne vas jamais rien créer dans ce pays. C'est moi qui aimerais te le dire. Donc quand tu vas passer ton temps, la prochaine, moi je te garde maintenant, c'est fini. Moi là, je suis comme poussé de démarrer actuellement. Tu es né garçon. Faut sortir encore sur moi pour me traiter d'enfant maudit. C'est toi le maudit de ta famille. Je ne vais pas insulter tes enfants parce qu'ils n'ont rien à voir avec ta misérable vie. Je ne viendrai pas ici pour dire que non, je vais dire telle chose sur la vie de tes enfants. Non, 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 non. Au contraire, tes enfants doivent grandir dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent arriver à bon port. Pour qu'ils puissent donner une éducation meilleure que celle que tu leur as donnée. Parce que tu es un misérable. Tu es un misérable. Tu apprends à tes enfants que la facilité. Comment faire pour avoir de l'argent? Tu leur apprends le prix des choses, mais tu ne leur apprends pas la valeur des choses. Ils ne connaissent pas la valeur des choses. Ils connaissent que les prix des choses. C'est ce que toi, tu veux faire. Tu veux les rastas. Mais l'astamayana, ça ne se force pas. Hein? L'astamayana, ça ne se force pas. Les filles stars de Côte d'Ivoire, là, elles ne sont pas forcées. Ça vient naturellement, c'est la grâce de Dieu. Mais toi, tu veux forcer. Ça ne pourra jamais aboutir. Ça ne pourra jamais aboutir. Parce que déjà, ton image est l'image la plus sale de Côte d'Ivoire. Personne ne voudra coller ton image. Je me pose la question de savoir véritablement quelles sont ces personnes aujourd'hui qui peuvent être autour de toi pour regarder toutes ces bêtises humaines que tu fais en Côte d'Ivoire. Et puis personne n'en parle. Tu te permets de garder les filles et les fils de ce pays. Tu te permets de regarder Sani Kramba et puis appeler l'État de Côte d'Ivoire de le mettre en prison. Mais toi, c'est ton souhait. Si tu as l'opportunité de nous mettre tous en prison, tu vas la saisir. Pour que tu sois le seul sur Internet et que tout le monde vienne t'applaudir. En fait, c'est ça votre souhait. C'est pourquoi vous avez créé un groupe pour venir essayer de signaler ma page. Ça ne change rien. Vous signalez cette page. Faites-vous que la bloque. Je crée une autre page. Je suis le guide. Je suis le paracétamol. C'est moi qui vous ai montré qu'on peut mettre dans Facebook. Sinon, vous ne le savez pas. Allez-y, dis aux gens qui ont monétisé toutes vos pages. C'est moi qui ai monétisé vos pages. Vous ne le savez pas qu'on pourrait gagner sur Facebook. C'est moi qui vous ai montré ça. Il n'y a pas quelqu'un sur Internet ici qui va dire que c'est pas pour tout ça qui m'a monté ça. C'est moi qui vous ai monté vous tous. C'est moi qui vous ai monté qu'un peu gagné là par Facebook. C'est moi qui ai monétisé vos pages. C'est moi, même le mari de choses, comment il appelle, le mari de MK Secret. C'est moi qui lui ai montré comment on monétise page. Aujourd'hui, c'est devenu monétisation des pages automatique là. C'est moi qui lui ai montré. Avant, il ne savait même pas qu'on pouvait monétiser page. C'est moi qui j'ai montré le chemin. C'est ça qu'on appelle un guide. Un guide, c'est celui qui ouvre les portes pour les autres. Et l'autre qui la ferme. Toi, tu es un misérable, tu es un farfelu. Tous ceux qui sont avec toi, c'est pour être moi à détester. Parce que vous avez créé vos groupes, vous faites, c'est pour moi. Quand vous l'avez créé pour moi, et que désormais je suis au courant, on est dans cette guerre-là. On ira jusqu'au bout et on verra qui va la gagner. Mais ça, tu ne fais peur. Tu ne fais peur à personne dans ce pays. Tu ne fais personne. Moi, il y a de la personne qui te donne passeport en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu prends pour venir en Europe ici, là. Pour venir voler tes pauvres frères qui sont. Que toi, tu prends ton billet d'avion, tu quittes l'Afrique, tu viens en Europe. Et puis un farfelu comme ça va venir te dire que lui, il a une option pour te marier en France. Il a une option, tu vas avoir travail. À quel moment c'est écrit dans la Bible? Est-ce que quand Jésus est venu dans ce monde-là, il a vendu une option à quelqu'un? Jésus a vendu une option à quelqu'un? Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la parole de Dieu qui est là. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais toi, tu te promets pour vendre tes intentions. Qu'on en voici une intention, ça là. Une prophétique. Je déclare. Tu n'as pas dit ce que toi, tu ne peux jamais t'excuser. C'est ta chose, si toi, tu es venu demander pardon. Tu n'as pas dit ici que toi, toutes tes sorties là, tu les fais de manière réfléchie. Et que toi, tu ne peux jamais demander pardon. Mais pourquoi tu as demandé pardon hier? Pourquoi hier, tu as demandé pardon? Pourquoi hier, tu es venu te mettre en genoux pour demander pardon? Ah, donc tu commets des erreurs. Donc tu es un homme peu de foi. Donc tu es un homme qui n'a pas la science infuse. Et tu veux monter par tout le monde que toi, tu as la science infuse. Tu es un misérable, mon gars. Regardez-moi ce misérable, comment il est assis. À cause de ça, tu ne peux même pas grossir. C'est ta bouche qui ne fait qu'augmenter. Les lèvres de ta bouche ont dépassé la morphologie de ta tête.
Quand on te regarde, on ne voit que tes lèvres. On ne voit pas autre. Et que, à part ta large bouche, en train de vociférer sur Internet là, tout le reste de ton corps, on ne voit pas ça. À part ta large bouche là, on ne voit rien d'autre que sur ton corps. C'est Dieu qui est en train de te punir. C'est pourquoi Dagbe est en train de bouffer toute ta bouche là. Tu penses que tu as l'air rose. Tu n'as pas l'air rose, mon gars. C'est plein de ventre qui est en train de ressortir par ta bouche comme cela. Faut manger, faut te soigner. Tu ne manges même pas. Regarde comment tu as maigri 2 jours là. Regarde à quoi tu ressembles ces 2 jours là. Regarde à quoi tu ressembles ces 2 jours là. C'est plein de ventre. Ça là, ça se soigne. Faut aller payer un médicament traditionnel. Tu vas te soigner. C'est même pas l'air rose. C'est plein de ventre. À l'intérieur, pourri. Donc ça se réalise. Ça ressort par ta bouche. Un homme qui grossit que par ses lèvres. Je n'ai jamais vu ça. C'est ce rubble. Toi, ta bouche, tu as cuit des babouins, quoi. Ces babouins, ceux qui sont cuits, c'est l'âge. À chaque fois qu'il prend de l'âge. Mais toi, au lieu de grossir par ta forme, grossir par les pieds, grossir par le ventre, grossir par les seins, toi, c'est ta bouche qui grossit. Quand on regarde ton visage, on ne voit que tes lèvres. Tête là-même, on ne voit même plus. On voit quelqu'un qui est dessiné, grosse bouche, calvitie là-dessus. C'est Dieu qui est en train de te... Dieu est en train de te frapper, mon gars. Dieu t'appelle, mais tu ne vois pas. Mais nous, on va te montrer le chemin de Dieu. Nous, on va te pousser à aller à l'église. Aller là, tellement donner ta vie à Dieu. Mais nous, on va te pousser à aller à l'église. Nous, on va te pousser à aller à l'église. C'est toi, tu passes ton temps à maudire les enfants de ce pays, non? Si on t'a demandé là, c'est à toi, Dieu a donné mon don de malédiction. Si on t'a demandé là, c'est à toi que Dieu a donné mon don de malédiction. Monsieur, je maudis. 1, 2, 3, net. Maudit, 1, 2, 3, net, maudit, 1, 2, 3, net, maudit. C'est toi, Dieu a donné le secret pour maudire les gens, non? Tu n'as encore rien vu, mon gars. Tu vas lire l'heure dans ce pays. Le nom Judas, reste toi. Après, Dieu, mais c'est quoi t'appelle? Tu t'appelles Judas. Tu es un judaïsme. Tu as trahi Jésus. Tu as trahi la maison de Dieu. Tu as trahi l'église de Côte d'Ivoire pour tes biens personnels. Tu as pris la Bible pour voler, pour escroquer, et non pour convertir des âmes. Dieu a dit, allez-y, parlez-les la parole. Et envoyer mes enfants sur le droit chemin. Mais toi, tu vas, tu leur parles la parole et tu les pilles, tu les voles et toi, tu fuis, tu disparais. Tu es un misérable, mon gars. Le jour du jugement dernier n'aura pas de il n'aura pas de châtiment pour toi. Toi, tu n'as pas besoin de passer même, c'est-à-dire que devant le jugement de Dieu, tu n'as pas besoin. Toi, dès que tu arrives net là, l'enfer est déjà proche. Satan t'attend. Tu es son digne héritier. Tu es le bon fils de Satan. Tu es le bon fils de Satan. Page là, signalé. Quand on va se mettre en groupe pour signaler, page là, vous ne me connaissez pas encore. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Regarde ce visage là, il a peur de quelque chose. Tu ne connais pas encore, brebis égaré. Dis à tes petits-petits là, les filles, les garçons à côté là, je ne les regarde pas. Ce n'est pas le même level. Moi, je suis là. Eux, ils sont là. Donc, je ne peux pas descendre de mon pied d'escalade pour aller leur parler. Eux, je ne fais rien, eux. C'est toi, moi, je veux. C'est toi, moi, je veux. Comme tu ne connais pas ta place et que tu envoies les gens pour venir insulter ma maman, insulter ma famille, m'insulter là, tu ne connais pas encore. C'est toi, moi, je veux. Si tu es maudit, parle encore de moi. Elle est lancée. J'avais dit qu'il n'y avait plus parlé de toi, non? J'ai fait 4 exceptions. Toi et moi, c'est jusqu'à l'Ascaras. On jouait pénalty. On tirait pénalty. On va tirer pénalty. La famille, donnez vos vies à Dieu. Regardez ce misérable là. Regardez sa vie. Qu'est-ce qui marche dans lui-même sa propre vie? Rien n'avance. Rien n'avance dans lui-même sa propre vie. Donc il est obligé de se consoler et acheter la sympathie des gens sur Internet. C'est pourquoi matin, midi, soir, écrivez mon tata, je t'aime. Mon tata, je t'aime. Parce que tu n'as pas d'amour à recevoir. Personne ne te donne d'amour. Donc tu es obligé de demander l'amour. Tu es obligé de dire aux gens, aimez-moi pour que les gens puissent t'aimer. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens, aimez-moi. Nous, les gens nous aiment gratuitement. Parce que les gens voient en nous quelqu'un de différent. Tu es un misérable. Dis aux gens que c'est nous qui avons monétisé ta page. C'est moi le guide. Faut dire aux gens, tes soeurs, tes fidèles, tes fidèles soeurs. Faut aller dire ça là-bas. Dis à tes fidèles soeurs, tes fidèles hommes, tes fidèles quoi là. Faut aller dire là-bas. Que c'est nous qui avons monétisé ta page. Sinon, tes choses que tu envoies pour venir parler, crier. Venez insulter à Boutou National, là. Ça, moi, je ne les regarde pas. C'est pas le même level. Faut les dire. Ils ne sont pas arrivés à mon niveau. Ils n'ont qu'à avoir fait des vidéos encore. Ils n'ont qu'à grandir encore. Quand ils vont arriver à mon niveau, je vais les répondre. Mais pour l'instant, ils sont encore en bas. Ils ont commencé il y a longtemps, mais ils ne sont pas à mon niveau. Moi, ici, là. Quand on parle du guide, on ne parle pas des enfants. Non. Ce n'est pas la même catégorie. On ne joue pas dans la même catégorie.
Donc, eux, je ne les calcule pas. Eux, c'est les enlever. Dans la parade de requin, baleine, là. Musaraigne, oh, comment on appelle ça même? Poisson cirule ne vient pas mettre sa bouche dedans. Dans palab, de requin, hein, baleine là. Hein? Requin, baleine, fois palab là. Les petits poissons à l'évain ne vient pas mettre la bouche dedans. Jamais de la vie. Au contraire, ils regardent le spectacle de loin. Les têtes de mort, là, c'est rien. Envoyez ça à Dia. Signalez la page, nia. Ça c'est ferme. J'écris encore une autre page. C'est moi qui ai monté comment bien lancer Facebook. Vous savez combien moi j'ai pu obtenir dans l'affaire de Facebook là. Vous êtes encore petit. Vous ne m'aimez pas là encore. Vous ne m'aimez pas encore là. C'est nous, on connaît comment manger là dedans. C'est nous, on connaît comment manger là dedans. Vous êtes encore petit. Calmez-vous. C'est moi qui vous ai montré comment manger là dedans. Mais là, vous ne parlez pas du aux gens, en culture nationale. Vraiment, l'enfant, il n'est pas bien. Hein? Mais c'est grâce à lui, on m'a lancé Facebook. Oh. C'est lui qui nous a montré. Oh. C'est lui qui nous a montré. Oh. Mais là, vous ne pouvez pas le faire. Attendez. Écrivez, ah ben, il n'y a pas l'homme pour toi, Didi. Il n'y a pas l'homme toi aussi. Écrivez pour que tu n'as pas la parle. Écrivez pour que tu n'as pas la parle. Le problème aujourd'hui qu'il y a dans ce pays, c'est parce que l'État ne veut pas prendre des instructions contre ce misérable-là. D'abord, on doit nous dire où il a obtenu son passeport diplomatique. C'est la première question. Qu'est-ce qu'il fait dans ce pays pour obtenir un passeport diplomatique? C'est ce que nous voulons savoir. Si n'importe quel Ivoirien peut avoir un passeport diplomatique, dites-nous là où tout ça va l'avoir. Ben ce misérable-là, c'est un ergumène, ce misérable déguisé-là, il a un passeport diplomatique dans ce pays. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le boulot qu'il fait? Quel est son statut? Quel est son rang social? Il travaille pour quel gouvernement? Ils n'ont qu'à savoir ça. C'est ce qu'il s'agit. Tu ne connais pas encore, petit. Tu ne connais pas encore. Tu vas lire l'heure. C'est moi qui dis ça. Tu vas lire l'heure. Et moi, je vais te faire lire l'heure. Homme de peu de foi. J'appelle ici la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Toi qui as créé l'homme à ton image, tu as dit, je crée l'homme à mon image. Allez-y et propulsez la bonne nouvelle, afin que les sourds l'entendent et que les aveugles voient. Toi, le Dieu qui est assis sur ton trône, regarde aujourd'hui la vie de ce farfelu. Regarde aujourd'hui ce homme peu de foi qui est en train de pervertir l'église de Côte d'Ivoire par sa misérable vie, en train de venir prêcher le mensonge, le faux. Qui ne fait que toujours dire des choses sans aucun verset. L'homme de Dieu qui parle mais qui ne donne jamais de verset, tu es le seul. Tu fais ta grande gueule là. J'ai dehors de la tête, tu vas t'attendre là-bas. Va lui montrer que toi tu as la Bible. Tu ne peux pas aller là-bas. Parce qu'ils vont te donner, moi, ils vont te donner en quelle année Joseph est né. Tu ne pourras même pas dire en quelle année Joseph est né. Tu ne sais même pas en quelle année Moïse a marché sur la terre promise. Pardon, Moïse a ouvert la mer pour laisser à son peuple de marcher sur la terre promise là. Tu ne sais même pas en quelle année. Tu ne sais même pas en quelle année Jésus a commencé même à parler même. C'est-à-dire, a commencé à prêcher. A commencé à déjà mettre aux yeux du monde entier qu'il était venu pour une mission. Tu ne sais même pas en quelle année. Tu ne sais même pas à quel âge. Tu ne sais même pas à quel âge Jésus a commencé à prêcher son. C'est-à-dire, a commencé à prêcher sa parole. Tu ne sais même pas. Ah, vous êtes fatigué de mettre la tête de mort. Vous avez disparu. Venez mettre encore la tête de mort encore. Vous êtes fatigué de pomper, vous allez pomper. Qu'on a à se mettre ensemble pour aller signaler la page à vous. C'est mal me connaître. Moi j'ai trois pages. Moi j'ai trois pages. Moi j'ai déjà un nom. J'ai déjà un visage. Rien ni personne ne peut. Comme l'a dit Bob Lee, je ne peux plus traîner dans la fête. Je ne peux plus dormir dehors. Parce que j'ai un visage qui est connu. Donc, quels que soient mes problèmes dans ce monde, que Dieu les éloigne. Mais si moi j'ai un problème aujourd'hui là, il y a des milliers de personnes qui seront prêtes à m'aider. Si moi aujourd'hui j'ai un problème, il y a des milliers de mamans qui seront prêtes à dire à l'opinion nationale, viens habiter chez moi, je t'adopte comme fils ici en France. Donc je ne peux pas dormir dehors. Donc si vous voulez là, bloquez page Facebook là, bloquez tous mes comptes, j'ai une carrière musicale qui m'attend. Je suis celui-là mais qui innove. En octobre prochain, on aura la nuit des blogueurs et influenceurs africains. Deuxième édition, c'est le paracétamol encore, toujours. Ceux qui veulent venir vont venir. Ceux qui ne veulent pas venir ne vont pas venir. L'année passée, vous n'êtes pas venu en affaires. Vous ne venez pas cette année. Ça change quoi? Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien dans ce mouvement. Mais écrit, prenez vos cahiers. Écrivez, page 2. Je sous-signé, moi, Stéphane Abré, né le 24 décembre 1990 à Mans, dans un tout petit village. Et après,
a été envoyé à l'hôpital des mains, qui a été baptisé le 24 nuit, dans la nuit du 24 au 25, pour être l'enfant Jésus. J'ai sous-signé ici ce soir, le 7 février 2022, que l'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire est ce misérable déguisé en homme de Dieu, qui ne fait que pervertir, qui ne fait que voler, escroquer. Deux fois la prison pour escroquerie et non pour la parole de Dieu. Dieu a dit dans la Bible, ils vont vous persécuter par mon nom. Ils vont vous emprisonner par mon nom. Mais lui, il est persécuté par ses vols, par son banditisme, par son escroquerie. Il va en prison pour vol et non pour la parole de Dieu. C'est un homme peu de foi. C'est un homme peu de foi. C'est un homme qui n'a jamais connu la Bible et qui ne connaîtra jamais la Bible. C'est un homme qui n'a jamais connu Dieu et qui ne connaîtra jamais Dieu. Car il ne sait même pas qui est Dieu. Et il ne saura jamais qui est Dieu. Parce que Dieu a dit, nous créons l'homme à notre image. Mais nous ne créons pas les hommes, les soi-disant hommes de Dieu à notre image. Chacun de nous est maître de son destin. Et nous, qui sommes les enfants de Dieu, avons décidé d'être les prophètes de nos propres vies. Je décide ce soir de déclarer dans ma vie que moi, le Abutu national, je ne quitterai pas ce monde-là. En fait, que Dieu ne fasse de moi ce qu'il a envie de faire. Je vais marcher partout dans le monde entier. Et je vais donner la joie à travers ma musique, à travers ma carrière, aux yeux du monde entier. Point. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mon frère, cherche encore à chercher à mes nuits. Parce que le reste là, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien créer. Tu n'as jamais rien créé et tu ne pourras jamais rien créer. C'est moi qui te le dis. Donc tu n'as encore rien. Donc ta liste pour maudire les gens là, faut aller continuer encore à faire. Misérable. Homme de peu de foi. L'homme qui pervertit le monde entier. Et je vois des grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui se taisent là-dessus. Vous avez peur de quoi? Il ne peut rien faire. Et il ne pourra jamais rien faire. Il n'a jamais rien créé. Et il ne pourra jamais rien créer. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Il n'a jamais rien créé. Et il ne pourra jamais rien créer. Dieu ne le connaît pas. C'est des gens qui sont là, qui ont peur, qui disent que non. Dieu m'a dit, vous les reconnaîtrez par les actes. C'est la Bible. La Bible était conçue avant nous. Dieu m'a dit, vous les reconnaîtrez par les actes. Et aujourd'hui, en effet, que te reconnaître. On voit aujourd'hui ton vrai visage. Le monde entier sait qui tu es, bonbon pasteur. L'homme qui vend des huiles d'onction matin, midi, soir. Vin de canard. Ça fait au moins combien de semaines, combien de mois, tu ne parles pas de la parole de Dieu. Pourtant, tu dis non, je viens, je parle du game, après je les rassemble, je les envoie à l'église. Tu leur dis, bon, tu les envoies dans quelle église? Quelle est l'église que tu as en Côte d'Ivoire? Pour nous situer. Tu n'as pas le temps parce que pour aller à l'église, il faut prêcher l'évangile. Toi, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Parce que tu vas lire quoi dans la vie? Ou bien c'est ton à côté Yao. Ce farfelu qui ne cherche même pas à travailler, qui vient t'asseoir à côté de toi là-bas, que tu fatigues tous les jours là. C'est ce misérable là. C'est lui qui va lire la Bible pour toi. Ton misérable qui est à côté, qui est en train de dire, mets telle vidéo, mets telle chose là. C'est ce misérable là qui va lire la Bible pour toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir d'église parce que tu ne connais pas quelque chose dans la Bible. Pour avoir une église, il faut connaître au moins les versets de la Bible. Tu es le seul pasteur sur la terre qui ne connaît aucun verset de la Bible. Au contraire, quand tu veux dire un verset, tu l'étudies deux jours avant. Jérémie 75, verset 13, il est écrit, Dieu a dit, je vais rendre les gens riches. C'est toi, tous tes versets qui sont là. Rendons les gens riches. Ah bâtard, homme de peu de foi. Oh Seigneur, viens habiter dans ce misérable afin qu'il puisse connaître la lumière. Tu ne connais rien dans la Bible et tu ne connaîtras jamais rien dans la Bible. C'est ça qu'il t'a dit. Par exemple, pour avoir une église au moins là, il faut ouvrir la Bible. Chaque dimanche, il faut donner de nouveaux versets. Chaque dimanche, il faut donner de nouveaux versets. Toi, tu n'as pas attendu ça. Tu ne peux pas connaître ça. Tu ne peux jamais connaître ça. Tu n'as pas attendu ça. Mais pour toi, c'est une perte de temps. Lis la Bible. Passer une heure, deux heures à lire la Bible, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Toi, tu n'as pas le temps de ça. Toi, tu viens, tu allumes ton ordinateur, tu mets le film de Dieu, dès que tu attends, nous allons marcher si Jérusalem l'est, tu viens en même temps. Jésus a marché si Jérusalem, sans toutefois donner le verset de où il a marché, à quel moment. On peut regarder le film de Jésus et puis venir donner évangélisation aux enfants. On peut regarder le film de Jésus et puis venir évangéliser les gens. On peut regarder ça. Il faut vendre les pasteurs. Mais nous, blogueurs, là, tu ne vas jamais nous vendre. Voilà. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup d'argent à gaspiller,
ne donnez pas à ce misérable parce qu'il ne vient pas à notre nom. Et il ne viendra jamais à notre nom. Voilà. À moins que vous ne voulez pas que moi, le rapporteur national, je puisse figurer dans la beauté de cette carte ou dans la beauté de tout ce qui peut. C'est moi qui ai dit ici, j'aimerais avoir la subvention de l'État afin que nous puissions aider nos populations. Parce que nous prenons des risques à parler des faits de société matin, midi, soir. On a besoin d'être aidé. On a besoin d'être accompagné. On a besoin des personnes qui vont nous aider. Oui, on a besoin de ça. Mais ce farfelu-là, il ne vient pas à notre nom. J'aimerais dire ici à Sénic Ramba, ton erreur, je la condamne. Insulter un homme politique, un père, un grand-père, vraiment, je ne peux pas tolérer cela. Excuse-toi auprès de nos frères, de nos pères, de nos mères, nos amis camerounais. Mais ce misérable d'homme de Dieu que tu vois là, il ne pourra rien te faire. Il ne va rien te faire aujourd'hui. Il ne va rien te faire demain. Parce que lui-même là, il est la première personne qui on doit mettre d'abord même au youf. Pour tous ces injures publiques vis-à-vis de nos parents, de nos mères, en train de insulter les gens matin, midi, soir. Quand les Ivoiriens sont bipolaires, que toi tu les maîtrises, toi tu peux maîtriser Ivoirien. Quand toi tu regardes ta, tu regardes ton crâne, hein, balèze bouche qui est sur ta tête. Depuis des années, regarde comment tu es. Tu ne portes rien de bon. Tu t'habilles en train de farfelu, un misérable. Quand non, j'ai l'argent. Tu ne portes rien de bon. Ça ne sert même. Tu es la seule personne qui a l'argent, mais ça ne sert pas sur lui. Quand j'ai l'argent, on ne voit même pas l'argent sur toi. L'argent ne fait pas le bruit. Quand l'homme passe par son parfum, par son habillement, il n'a pas bien de porter les grandes marques. Hein. Les hommes riches là ne portent pas les grandes marques. Ils portent même des habits, mais on ne voit même pas si c'est Louis Vuitton, si c'est Versace. Mais quand il s'habille, tu sens que lui, il a l'argent. Vous qui êtes là, vous le savez. Il y a des gens, quand vous les voyez neuf là, il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Tu sais que lui, il a l'argent. Son odeur, le charisme. Toi, tu n'as pas de charisme. Tu ne laisses pas rien. Si ce n'est pas petit agent que tu as volé dans l'église de Côte d'Ivoire pour avoir femme là, toi, mais jamais, tu ne peux pas avoir femme. Même les vendeuses d'eau glacée, tu ne peux pas, tu peux même pas les avoir. Toi, mais c'est ton homme qui va chamer. Tu ressembles à criquer. Voilà taille. Femme là, même, on dirait baguette de pain. Et c'est toi, tu es là, tu insultes les gens de gros. Quand tu regardes. C'est pas même. Il me dit, mais attends, à quel moment même tu t'assois même pour te regarder même dans un miroir même, pour te regarder même, pour savoir même qui tu es même. Regarde-toi dans une glace. Tu ne ressembles à rien aujourd'hui, tu ne ressembles à rien demain, et tu ne ressembles à rien après demain. C'est moi qui te l'ai dit. Un père va lève comme cela à cet âge-là. Un père va lève comme cela. Un père va lève qui dépasse même tes narines. Un père va bouche comme cela là. Je comprends pourquoi Dieu t'a. Ça, c'est un sort à lancer. Tu n'es pas au courant. Va au village, monte te laver. Bouche que tu as là, ce n'est pas naturel, c'est sort. Déjà, en savant que tu allais être maudit sur la terre. Donc, du coup, on t'a lancé sort pour avoir grosse bouche comme cela. Pour que ta bouche soit ouverte, afin que tu puisses évacuer toute ta haine que tu as dans ton cœur. Toute la haine que tu as dans ton cœur là, tu puisses évacuer ça. Parce qu'un homme qui a bouche comme cela, là, je n'ai jamais vu ça. Bouche en direct, ta paix d'un fou. C'est l'âge. Tout au milieu, puis ça dégage une mauvaise odeur. Tout ce qui sort de ta bouche là, ça sent mauvais. Je n'ai jamais vu ça depuis le ciné. On peut avoir bouche comme cela là, à cet âge là. Dépasser la quarantaine. Mais il faut aller faire chirurgie là que tu as là. Tout l'argent que tu as là, tu ne peux pas aller au Maroc, aux États-Unis ou en Turquie pour aller diminuer lève-le un peu. On peut avoir lève qui pèse comme cela. Lève qui pèse jusqu'à. Lève là même là. On peut prendre une bouteille de Coca-Cola, poser là-dessus même, ça ne va jamais tomber. Au contraire, ça va amortir ça. Ça va faire comme ses sauts. Ça monte, ça descend. À chaque fois que tu parles, parce qu'il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. Lève, on peut accueillir même mamite. On peut même mamite si tu te lèves. Et puis, un grillé, un même feu en bas, un grillé, j'aime dessus. On peut faire ça aussi. Parce qu'un être humain normal ne peut pas avoir la bouche que tu as là. C'est pourquoi ta bouche est dans tout. Parce qu'il faut avoir une gueule pareille pour que ta bouche soit dans tout dans ce pays là. Pour que de gauche à droite, tu mets ta bouche partout. Tu vois les pasteurs en Côte d'Ivoire. Vraiment, papa, excuse-moi de dire ton nom dans cette vidéo-là. Vraiment. Mais regarde le papa Sanogo. Regarde. Même si on dit, la Bible ne fait pas le moine. Que parfois, certaines personnes peuvent s'habiller comme un ange. Pourtant, c'est le diable en personne. Mais regarde papa Sanogo. Un homme exemplaire. C'est l'homme, lui-là. Je peux aller dans son église pour dire, mais prier. Parce qu'il n'est pas dans le bruit. Voilà aussi un autre papa aussi. Vraiment, papa, excuse-moi de dire ton nom dans. Excuse-moi de dire ton nom dans cette vidéo-là. Papa, pardon, excuse-moi. Voilà papa qui fait ça. On dit tout de lui. Mais un homme exemplaire, dans son coin, tranquille, qui n'a pas de problème.
Mais voilà le pasteur, Wifi Zawi, en le tête de pasteur, Choco, pasteur, Jean, jeune, machin, machin. Mais il n'est pas dans les problèmes de Facebook, ça ne les regarde pas. Il est concentré sur son église, son ministère. Comment faire pour construire les églises en Côte d'Ivoire? Voici ceux-là. Mais nous avons un farfelu en Côte d'Ivoire qui prétend être le pasteur. Tu te vas prendre les gens à Bobo, des misérables à Adjamé, des misérables à Yopougon. Pas que les gens, je ne dis pas que les habitants de là-bas sont misérables. Hein. Je parle de certains individus qui sont allés dans son église là, qui disent qu'ils sont pasteurs. Là. C'est Dieu que moi je parle. Donc ne venez pas travestir mes propos. Voici des misérables à Bobo qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Pendant que les jeunes se lèvent matin, midi, soir pour aller être balanceurs, travailler dignement pour gagner les agents. Et ils se lèvent en sachant coup d'habit pour eux, en les mettre cravate ici, net, en sachant qu'ils quelque part, qu'on est son pasteur. On a donné 5 000, 10 000. Et vous vendez vos âmes au diable. En vous donnant 5 000, 10 000, vous partez vous asseoir. Qu'on vous êtes pasteur. Maman pasteur. Papa pasteur. Grand-mère pasteur. Quand le frappe un peu net, il vient mettre ses versets bibliques. Tu ne connais rien encore, mon gars. Tu vas lire l'heure dans ces pays-là. C'est nous, on te dit ça. Tu vas lire l'heure dans ces pays-là. Toi, tu ne sais pas à qui tu as fait. Faut t'amuser, moi. C'est le conseil des gens qui fait que moi, je m'étais sur toi. Sinon, toi, si tu étais récupéré, mon gars, tu ne vas pas comprendre. C'est le conseil des gens qui fait que moi, je me calme sur toi. Si moi, je vais te récupérer chaque matin, tu ne vas même pas comprendre. Moi, je n'ai pas bien passé si tu n'es pas les gens. Je n'ai pas là donné à Elon Frère Magazine, à Paparazzi, ou donner aux artistes qui ne savent pas pourquoi ils sont en train d'amuser dans la musique, là, qui ne savent pas. Là. C'est eux qui cherchent à coller les images à un misérable comme toi. Là. Dès matin, ils vont casser leur papa pour dire à les amougou, voici les preuves dans tel portable. C'est ça qui est bien avec eux. Moi, il n'y a pas de temps pour payer quelqu'un pour passer 6 pages. Ceux qui même vont partager mes directs. Parce que quand j'ai commencé là, je n'ai pas payé quelqu'un pour être là où je suis. J'ai donné ce que je peux donner et je continue de donner. Je donne le meilleur de moi pour montrer à la nouvelle génération comment il faut faire. Mais voilà, aujourd'hui, je suis respecté. Les Slamazon, les MK Secret, les Kunsi, les Leslie 5 étoiles, les Vich de Milan, les Sandro d'Afrique, les mamans belle amie, les mamans choses, comment t'appelles même là, maman là, que je l'appelle Magnaï là. J'ai oublié son nom là, vraiment cette maman là, toujours j'oublie son nom. Les DS Collection, ceux-là me respectent. Les Flore de Lille, les Compressors, les Lolo Fodia, les Natacha de Monaco, tout cela me respecte aujourd'hui parce que quoi? Parce que j'ai montré le chemin à suivre. C'est comme cela. Quand tu imposes le respect dignement, tous ceux qui sont là, même qui sont plus grands que toi, vont te respecter. Les Flore de Lille là, c'est les grandes mères. Maman Flore de Lille, c'est les grandes mères dans le milieu du blog. Mais aujourd'hui, elle me respecte. Elle m'a jamais manqué de respect. Pourquoi? Parce que je lui apporte considération et respect. Lolo Fodia, même si elle a fait des directs sur moi, je l'ai jamais manqué du respect. Parce que c'est ma grande soeur. Je n'ai pas besoin de lui manquer du respect. Au contraire, une grande soeur, c'est fâche contre son petit. Tu demandes pardon et puis tu avances. Je n'ai pas l'orgueil de dire non. Comme j'ai beaucoup d'abonnés, je vais venir la clasher. Jamais de la vie. Mais elle continue de me donner du respect. Aujourd'hui, je me lève. Je lui apporte respect, elle est là. Même les manèques Rita, elle me respecte. Je la respecte. En se respect dans ce milieu, nous tous en avance. C'est ça, parce que j'ai apporté du respect aux gens. Et quand tu apportes du respect aux gens, c'est comme cela. Aujourd'hui, voici ma femme Emma Louès, la digne femme, la reine mère. C'est que quand je parle d'elle, j'ai la chair de poule. Tout cela, il connaît l'image, les personnalités. Tu as vu Drogba parler à moi net, tu cours pour aller. Tu t'as chier autre personne aussi. Là, tu viens dénigrer Drogba. Un peu faire ça là. Homme de paix de foi. Comme tu as vu que Drogba connaît son image à Poutou National, pour dire à Poutou Pacha, à Poutou Bakayoko, ma campagne pour être président de la FIF là, je veux que ce soit ton comité qui puisse battre ma campagne. Tu as vu ça net, tu es devenu fou. Mais pour toi, tu parles de tous les jours que Dieu fait. Tu as bloqué ça, tu as bloqué un gars pour quoi? Hé! Qu'on appelle maintenant? Mon administrateur là, faut pas bloquer MK. MKF là, c'est mon gars, hein. Tu es fou ou bien quoi? Qui t'a payé ici? Qui l'a envoyé ici là? C'est un infiltré. Mon administrateur là, c'est un infiltré. Comment tu l'as bloqué? MKF, tu es fou ou bien? T'es même en train de bloquer les gens, il a bloqué MKF. Attendez, il est où? Kiki! Mais il est fou lui. Kiki, il faut te bloquer MK là. MKF là, tu es fou ou bien quoi? Kito! Allô? Oui? Il faut te bloquer MKF là. C'est mon gars. Ah, tu es fou bien quoi? Tu le bloques comment? Mais c'est pas moi, il y a quelqu'un de... Tu es en train de bloquer tout le monde là-bas. Tout le monde. Il bloque tout le monde.
tous ceux qui écrivent des mauvais commentaires, les bébés égarés, les bouillis là, tu les bloques, bloque-les dans la paix. Ils vont créer encore autre pauvre bébé, hein, les bloquer seulement. Ah ok, faut les bloquer tous. Faut débloquer MKF, les MKF, les choses là. Ah, faut les débloquer, les MKF. Tous ceux qui sont dans mon bouillis là, les Leslie, même si Leslie vient d'écrire Modia, c'est notre ami justement. Les Leslie, les choses là. MKF, il écrit un commentaire bizarre. Faut le laisser, c'est mon gars. Non, ok. Faut faire ça. Fais le travail, fais le travail. Les bébés gars, ils sont là, ils sont en tas. Ils sont en tas, vas-y. Voilà. Donc, la famille, ce soir ici, je parlais à travers toutes ces victimes. Parce que les victimes, il y en a plein. Mais plein ont peur de venir parler. Plein ont peur d'allumer leur téléphone pour montrer le comportement archaïque de ce misérable d'homme de peu de foi. Celui-là même qui a été rejeté dans l'église de Côte d'Ivoire. C'est lui-là que Dieu a vu, puis il a dit, avant le lever du soleil, avant que le coq ne chante trois fois, tu vas me trahir. Lui, il est prêt à trahir tout le monde pour sa cause. Il est prêt à vendre tout le monde pour son bien personnel. Il est prêt à livrer qui veut pour son bien personnel. Parce que pour eux, là, à part les villes, personne n'a le droit de vivre à côté. Mais vous n'êtes rien, mon gars. Et tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien dans ce pays. Parce que tout le monde connaît qui tu es. Le temps où tu pouvais avoir le statut vraiment de homme respectable dans ce pays-là, tu l'as perdu. Aujourd'hui, tu ne laisses rien. Regarde comment tu es. Tu es dans la bouche de n'importe qui. Même les enfants qui viennent de rentrer dans Facebook, ils allument leur téléphone, ils t'insultent. Mais tu n'as pas su t'imposer. Tu n'as pas su donner du respect. Et tu n'as pas su avoir aussi ce respect aussi en retour. Voilà pourquoi tu es comme cela, mon frère. Regarde à quoi tu descends. Vraiment, j'ai pitié. Quand je te regarde aujourd'hui, tu fais 44 kilos. Vraiment, ça me fait mal. Vraiment, avant, tu étais mince. Mais maintenant, ce n'est plus une histoire de mince, mais c'est la maladie qui a pris ton corps. Vraiment, j'ai pitié et je demande ici aux personnes adéquates, vraiment, essayez de l'attraper. Faites comme les gens qui sont malades là, ou en pique dans les porcs pour leur donner à manger. Il va grossir un peu. Regardez à quoi il ressemble. Ça fait pitié. Vraiment, Yako, mon frère. Yako. Je sais que tu as pris faire pour faire ça aujourd'hui. Quelque chose comme tu te réveilles, tu dis, okay, tu n'as même plus le sommeil. Tu es obligé de porter des grosses paires de lumière parce que tes yeux là, tout est devenu rouge, tu ne dors pas. Vraiment, ça fait pitié, mon frère. Facebook est devenu comme ta vie aujourd'hui. Tu as vendu ton âme au diable pour avoir la gloire sur Internet. Mais, comme elle est dans la vie, ce que le diable te donne ne dure jamais. Donc ton pouvoir, c'est fini. Tu essaies de renouveler, mais ça ne passe pas. Tu vas chercher les pages à côté. Tu essaies de les payer pour les renouveler. Ça ne passe pas, mon frère. Ton temps, de où tu es venu ton âme, là, c'est fini. Tu n'as plus rien à vendre encore. Tu as vendu tête, tu as vendu narine. La seule chose qui te restait, que tu pouvais permettre au moins de pouvoir, c'est-à-dire avoir encore une petite crédibilité, c'est tes lèvres. Tes lèvres, là aussi, tu as vendu. Après ça, ça fait que grossir. Là. Parce que lèvres de l'homme ne peut pas grossir naturellement comme cela. Là. Ça ne peut pas grossir comme ça naturellement. L'œuvre de l'homme ne peut pas grossir naturellement comme cela. Maintenant, à tous les brebis égarés à côté, après que j'ai fini de faire ce direct-là, vous pouvez sortir. C'est le guide qui vous donne l'ordre parce que vous n'avez pas le studio. C'est quand tu parles que vous sortez de venir parler. C'est normal. Donc sortez après les brebis égarés. Les brebis, les pharisiens, allez, ils sont aux aguets. Ils attendent. Ah, tu vas finir ton direct, oh. Ils vont mettre un titre dans le même état. Appelez-moi un petit national pour avoir vu. Un peu souffrir comme ça sur Internet. Ils n'ont pas de sujet. Ils ne peuvent pas parler d'un frère société parce qu'il n'y a pas de vue là-bas. Ça peut parler de leur vue. Ils ne peuvent même pas avoir 1000 personnes connectées s'ils parlent de quelque chose d'autre. Ils ont 300, 400 personnes connectées. Non, allez là, ils sont assis là. Ils attendent. Ah, pour tout le cas, fini. Oh. Allez, allez là. Ils ont déjà rédigé leurs commentaires. Parce que j'ai attaqué la brebis. J'ai attaqué le chef. Non, allez là. Ils ont déjà rédigé leurs commentaires. Ils attendent juste de copier, coller seulement, mettre en commentaire, puis lancer le direct. Appelez-moi pour tout, vous venez m'insulter, boua boua. Sortez, la famille, sortez. Je suis passé par là. Non, là, vous vous battez pour avoir pour sortir la tête de l'eau, c'est normal, c'est normal. Je vous en veux pas. Moi, mais où je suis là, je vous en veux pas. C'est normal. Sortez. Je vais aller prendre mon faux profit pour aller vous regarder. J'ai ri un peu. Comment est-ce que vous allez m'insulter? Souvent, ça me fait du bien. Souvent, c'est assis comme ça, je m'ennuie, je vais vous regarder pour m'insulter comme ça. Je suis assis, même. Et puis, je ris, moi, je ris. Hey.
Je suis passé par là. Vraiment, ça fait pitié quand même. Hein. Cherchais view jusqu'à. Ils ont besoin de m'insulter. Parce que quand ils parlent de leur brebis égarés comme ça, ça les fait mal. Ils sont seulement des attentes. Ça fait une heure en direct. Depuis là, son direct ne finit pas. Ils vont allumer leur téléphone. Sortez les brebis. Après mon direct, sortez. Sortez, parlez. Allumez votre téléphone, cassez. Dites ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est le guide qui a fini de parler. Quand le guide finit de parler, tout ce qui passe après là, c'est le vent. C'est le vent qui passe. Le vent, ça passe. Mais ça n'emporte pas la terre. Parce que si le vent devait emporter la terre, on n'allait pas être là. Le vent, ça passe. Mais ça n'emporte pas la terre. Donc, criez, parlez. J'ai fini de faire mon direct. Petite délivrance pour la brebis égarée. Et puis, on continue dans le chemin. Comme tu as maudit, nous, on va te montrer. Mais d'abord, j'aimerais terminer ici par un point clé. Quand on nous dit où l'on a obtenu son passeport diplomatique, c'est tout ce que nous, on veut savoir. Il a dit ici qu'il a un passeport diplomatique, qu'il a statut de député dans ce pays. Qu'on nous dise où l'a obtenu son passeport diplomatique là. Quel est le métier qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire? Quel est l'emploi qu'il occupe? Quel est le poste ministériel qu'il a? Il est député ou il est ministre ou il est conseiller au ministre ou qu'on nous dise. Parce qu'un farfelu pareil ne peut pas avoir le libre choix de sortir et rentrer comment dans ce pays pour que personne ne l'interpelle. Il est quoi pour être? Comment on appelle ça même? Pour être statut de homme diplomate en Côte d'Ivoire. Sur quel droit, sur quelle base? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un passeport diplomatique? Nous, on veut savoir. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, la famille, que Dieu vous bénisse les mamans. Comme ils ont lancé une campagne de venir signaler ma page, je suis venu leur donner l'occasion ce soir de venir la signaler. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez en tas. Ça se bloque. Je crée autre page. Je monétise encore. Et puis on avance. C'est ça qu'il s'agit. Je suis le guide. Je suis déjà connu. Moi, j'ai fait direct sur une page tout de suite là. Il n'y a personne là-bas tout de suite là. En moins d'une heure, j'atteins au moins 10 000, 20 000 personnes. 20 000 abonnés en moins d'une heure. Monétiser encore et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis là. C'est moi qui vous ai montré comment gagner l'anti Facebook, non? Et c'est moi, vous voulez lui. L'homme qui vous a montré le chemin du paradis, c'est lui que vous voulez envoyer en enfer. On peut faire ça là. On peut faire ça là. Il faut être le diable en personne. L'homme qui vous a montré le chemin du paradis, c'est lui que vous voulez envoyer en enfer. L'homme qui vous a montré comment gagner l'anti Facebook, c'est lui que vous voulez lui aujourd'hui. Eh la sorcellerie. Qu'on a créé un groupe pour se mettre ensemble. Vous pouvez créer un groupe contre moi. Vous pouvez créer un groupe comme un enfant de Dieu. Vous pouvez créer un groupe contre un enfant de Dieu. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas encore né. Entraînez-vous encore. Entraînez-vous. Tout qu'on n'est pas encore. Tout qu'on n'est pas. Je finis pas, non? Mon tonton de l'autre côté va te récupérer. Après, mon oncle qui est de l'autre côté, va faire ta sorcière. Comme cela, nous, on est toi. Tu vas lire l'heure. Tu vas rien comprendre. Nous, on joue 4, 3, 3 et toi. Nous, on joue pas comme Burkina Faso. 4, 5, 1. Non, non, non. Nous, on est 4, 3, 3. Et toi, tu comprends rien? L'attaquant de pointe, c'est mon tonton américain. L'ailier droit, c'est mon tonton de Finlande. Moi ici, l'ailier gauche. Je suis gros, mais c'est pas grave. Quand ils vont tirer le ballon, ils vont centrer. Il y a même mon pied comme ça, petit comme ça. Ballon va venir. Parce que celui qui est en poteau, il est handicapé. Il n'a pas bras, il n'a pas pied. C'est un misérable homme de Dieu. Donc il ne peut pas caler le ballon. Ça l'appelle. Bio! Le gros Aboutou a marqué. C'est incroyable. C'est incroyable. Le gros Aboutou, il a marqué. Le gros. Le gros. Parce que il y a les bons alliés. Attaquant de pointe là. Il n'est pas grand, mais il est petit et il est puissant. Attaquant de pointe là. Lui, il est petit, mais il est puissant. Lui, il est américain. Lui, chauffeur. Lui, il n'a pas peur. Lui. Mais attaquant de pointe là. Lui, il est petit, mais il est puissant. Lui, il est en pointe là-bas. Maintenant, l'allié là. Lui, il est en Finlande. L'ailier là, lui, quand ça chauffe net là, c'est une cérémonie du mot qui s'appelle C là. Lui, quand ça chauffe net, lui, sa tête chauffe vite. Dès que sa tête chauffe net là, c'est une cérémonie de C. Lui, il n'est pas dans mes mains. Lui, il est allié droit. Moi, ici, il est gauche. Je suis gros, il ne peut pas courir. Donc, on m'a mis sur le côté gauche là-bas. Donc, quand lui court comme ça, il sort le ballon. Dès qu'il donne à l'attaquant de pointe, qui voit qu'il est mal placé net là, qu'il me donne la passe net là. Gardien ton poteau est handicapé. Il est plus que gardien de Comor là. Lui, il est plus que défenseur de Comor qui a joué au poteau là. Lui, il est plus que ça. Lui, il n'a pas bras, il n'a pas pied. C'est le brebis égaré d'homme de Dieu là. Le misérable. L'homme qui a vendu son âme au diable pour avoir visibilité sur Internet. Donc, quand le gros Aboutou national récupère la balle,
Je rate même le ballon. C'est que je suis gros, donc je ne peux pas courir. Je ne sais pas comment faire parce que moi, les jambes, tout ça là. Donc je tire la balle, mais la balle fait comme ça. Le gardien, il court comme ça. Il court. Le temps qu'il va s'en rendre compte là. Eh, je n'ai pas de bras. Donc il ne peut pas plonger. Le ballon passe en bas de lui. Fio. Bio. Et puis maintenant, mes deux tontons là maintenant, je dis bon maintenant. Habouchou, 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 habouchou. Et les supporters maintenant dans la tribune maintenant, les hommes prévus et gardés prévus là. Faux but là, on dit oh, but c'est but. But c'est but, j'ai déjà marqué. Les prévus et gardés maintenant sont dans les tribunes là-bas. Oh, c'est quel but ça là? On dit mon frère, but c'est but. Il n'y a pas faux but sur la terre. But c'est but. Tant qu'il habite à siffler pour dire c'est but. Il dit non, ça c'est faux but ça. Mon frère, c'est déjà marqué. Ateba. Alakadou Dima. Amin Arabi. Finish. Bonne soirée à tout le monde. C'est déjà qu'il s'agit. Je ne vais pas terminer sans vous parler d'un produit cosmétique à Django Rosé. Voilà. Adjongo Rosé est un produit qui vous permet d'avoir un joli teint. C'est-à-dire, vous avez des taches au milieu des jambes. Vous avez utilisé des produits cosmétiques qui vous ont donné des gales, des teignes. Vous avez des quintos. Vous avez une partie de votre visage qui est brûlée. Vous avez des enfants qui ont des teignes, qui ont des dates. Vous êtes un homme. Vous n'avez pas envie d'utiliser des produits cosmétiques qui vont vous clairci la peau, mais vous avez envie d'avoir un teint parfait, un teint soigné, un teint propre. C'est Adjongo Rosé. Adjongo Rosé, c'est huile. Il n'y a pas de produit chimique. C'est huile naturelle. Mais qui te permet d'avoir un joli teint. Un teint propre. Un teint soigné. Un teint vraiment spectaculaire. Quand tu marches dans la rue, on dit, son teint est joli. Oh. Tu utilises un produit cosmétique où il y a des produits dedans. Il y a des acides dedans, machin. Tu utilises Adjongo Rosé, ça va embellir ta peau. Ça va adoucir ta peau. Ça va te donner un joli teint propre. Un teint soigné. Un teint bien joli. Adjongo Rosé, ça coûte 20 euros seulement. Ce n'est pas un produit cher. Et puis, on livre partout dans le monde entier. Vous avez le numéro juste en haut de mon direct là. Donc, les mamans qui utilisaient les produits cosmétiques qui ont brûlé entre vos jambes. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, entre les jambes là, c'est noir. Ce n'est pas la saleté. Mais comme elles portent des habits qui font que leurs cuisses se frottent, ça se colle. Certaines personnes pensent que non, elles sont sales, mais elles ne sont pas sales. Ce produit là enlève ça. Tu prends Adjongo Rosé, tu le mets sur tes parties noires. Ça enlève propre. Tu prends Adjongo Rosé, attends. Allô? Allô, tonton? Oui, je suis en direct là. Oui. Au même endroit, ouais. Donc voilà. Tout ça qui veut Adjongo Rosé, vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63. Tous ceux qui veulent Adjongo Rosé, vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63. Pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, vous appelez le plus 33 7 67 72 19 43. Tous ceux qui sont en Europe, vous appelez le plus 33 7 67 72 19 43. Vous avez les différents numéros en haut de ces directs là. Sur ce, que Dieu bénisse tous ces mamans qui m'aiment partout dans le monde entier. Tous ces papas qui m'aiment partout dans le monde entier. C'est grâce à vos prières. C'est grâce à vos bénédictions que je continue d'avancer. Aujourd'hui, là, je ne suis plus au stade de dire que non, les gens veulent me nuire. Les gens sont comme cela, sont comme ça. Non. J'ai maintenant mon bâton de pèlerinage. Celui qui va s'amuser, j'ai lui prescrit une vaccine. Et elle va avancer dans ça. Mais le reste, là, et il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça mon problème. C'est la tête. L'animal. Le plus redoutable, l'animal qui a les épines sur la peau, mais qui pense que lui, il peut effrayer l'eau. Pourtant, si on le met dans l'eau, il peut se noyer là. C'est lui, moi, il veut. Moi, je suis comme l'eau. Je suis comme l'eau. Même poisson se noie dans l'eau. C'est ça qu'il s'agit. Poisson lui-même là, il vit dans l'eau, mais il se noie dans l'eau. Je vais lui montrer qu'il peut se noyer dans l'eau où il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Et que toute activité que vous allez entreprendre, que Dieu puisse les exaucer. Battez-vous, croyez en vous, donnez le meilleur de vous. Et surtout, dites à qui veut l'entendre, qui pense que vous êtes un bon à rien, mais dites-lui que vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites. C'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Car Dieu n'oublie pas ses enfants.
chaque être humain sur la terre ici a son heure de gloire. Et chacun de nous aura son heure de gloire. Dites un amen au Seigneur. Pour ceux qui ont foi en leur réussite, l'année 2022 ne va pas finir tant que Dieu ne déclenchera pas une situation financière, une situation de papier dans ta vie, une situation de voyage, une situation d'enfantement, une situation de mariage. Que le bon Dieu réalise même vos rêves les plus fous. Shalom à tous. Que Dieu soit sur votre vie. C'était votre fils, vos frères, votre grand frère à Poutou National. Agro Stéphane Lumière de Paris. Lati chanteur. Apprêtez-vous. En octobre prochain, vous aurez la deuxième édition. La nuit des blogueurs et influenceurs africains. Nous sommes en train de préparer, moi et mon équipe, afin que nous puissions faire une conférence de presse pour annoncer la date et déjà montrer déjà les festivités de cette deuxième édition de la nuit des blogueurs et influenceurs. Et je vous promets aussi que très bientôt, vous aurez la nouvelle sortie d'Aputu National. Restez connectés, car il y a du loup qui arrive. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous les pays africains. Je vous aime. Ciao, ciao.